Et salut à tous et à toutes les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Crew, donc un jeu qui est sorti dans la semaine. Donc je vais vous faire des petites vidéos comme ça de temps en temps sur ma partie que je viens de créer à l'instant, je viens de l'acheter. On va mettre un petit peu plus de lumière. Donc voilà, je viens vraiment juste de l'acheter. Je vais vous mettre les sous-titres. Excusez-moi pour ce petit éternuement. Hop là. Donc je le lance vraiment pour la première fois avec vous. Hein. Je sais pas du tout ce qu'il donne. Enfin, je sais ce qu'il donne. Hein. Je l'ai déjà vu. J'ai déjà testé. Mais c'était juste chez des amis. Donc là, voilà, je l'ai acheté ce matin. Je l'ai installé et je vous fais directement une vidéo dessus pour découvrir le jeu. Donc voilà, je sais. Je connais pas vraiment. Donc on laisse la petite cinématique et je vous retrouve juste après. T'es au bon Dieu, Alex. Je suis occupé, Harry. C'est un peu chaud pour moi, mais je devrais m'en tirer. Arrête tes conneries, t'as une course ce soir. Ok, bon. Là c'est parti. Ah, c'est un petit jeu sympa. Il va juste falloir que je baisse un peu le son. Option. Ok, voilà, on va baisser un petit peu. Ouais. Non, on va juste baisser le volume général. Voilà. Ah, j'ai pas validé. On reprend. Oui, je sauvegarde les options. Voilà. Ah, c'est bien. Ah ouais, d'accord. Ok. Bon, ça fait un petit peu arcade par contre, au niveau de la direction. Mais ça a l'air sympa. Et est-ce qu'il y a d'autres vues? On change la vue. Ok, j'ai de la vie trop. Et là-bas. Alors, faut voir que je trouve comment je change la vue. Voilà. Mauvaise direction, ok. Checkpoint qui est où? Bon, je veux juste changer la vue parce que cette vue-là, c'est pas. RB. Ah voilà, ça c'est une vue que j'aime bien. Ah c'est assez joli l'intérieur de la voiture, il est assez bien fait. Vraiment pas grand chose. Ouais. Allez, les abandonner un peu. Ça fait une petite petite entrée dans le jeu assez sympathique quand même. Voilà, donc comme je vous disais, je vais pas tout filmer ma partie, hein. Je vais jouer un petit peu en solo. D'accord, très bien. Donc voilà, on commence par un échec. Donc on va recommencer. Hein. J'ai perdu du temps à chercher ce checkpoint tout à l'heure. Alors, on va repasser la scène. Voilà. C'est parti.
je disais, je vais pas faire toutes les... tout en vidéo, hein, je vais faire un petit peu en solo, voilà, pour m'amuser. J'ai acheté le jeu pas que pour les vidéos. Mais comme on fait qu'une partie, du coup, bah voilà, ce sera ma partie habituelle qui sera filmée. C'est assez chiant quand l'avant de la voiture se lève. Voilà, reste là. C'est bon, les a un petit peu semé, c'est pas mal. Ouais, mais c'est loin. Je sens qu'on va bien s'amuser sur ce jeu. Mission accomplie. Très bien, donc on a des niveaux et tout, ça a l'air sympa. Harry, je les ai semés, je suis en route. C'est pas trop tôt, Alex. Je t'ai planqué une bagnole dans une grange, pas loin. Où ça? Quoi, où ça? Ça t'arrive de te connecter au réseau 510? Tu vois le radar sur ta mini-carte? Il devrait te mener à la tour radio la plus proche. Plus tu t'approches, plus il devient vert. Suis-le. Donc on a Jacob devant nous. Alors, ok, donc il est là-bas. Voilà, par là. Harry, j'y suis. Je fais quoi? Il faut que tu te dépêches d'aller à cette course, alors on va mettre ta carte à jour. Ah, encore cette connerie d'informatique? Exact. On va te synchroniser avec le réseau 510. Chercher la voiture. Freine-toi un peu, Alex. C'est pas le moment de glander. Alors, ce qui est sympa, donc, je vous ai pas encore montré la carte, parce que là, vraiment, je fais mes petits objectifs de départ. Donc, c'est un jeu qui est complètement multijoueur, mais je pense que ça, tout le monde le sait déjà. Ça va bientôt faire une semaine qu'il est sorti. Ah oui, j'y suis. Et surtout, c'est vraiment toute la carte des États-Unis. J'ai claqué une vraie fortune dans le moteur pour que t'aies assez de patates pour mettre le feu ce soir. En parlant de ce soir, tu ferais bien de rappliquer vite fait. Ton frère a l'air plutôt inquiet. C'est pas le style de Dayton, j'arrive. Alors ça, c'est une voiture qui me plaît, ça. T'es attendu à Détroit, Alex. Place un objectif et ramène-toi. Et motive-toi à bloc, parce que ça va être une course de dingue. Si tu voyais la foule... T'en fais pas alors moi. Voilà, donc, alors, je suis arrière. Voilà. Donc voilà la carte. T'inquiète, je note ça dans mon agenda. Voilà la carte, donc vous voyez, on a vraiment en fait les grandes villes. Donc, là, on a Los Angeles et tout. San Francisco. On a en fait les grandes villes des États-Unis. Et donc là, on va aller à Détroit. Zoom avant. RT. RT. Oh. Ah voilà, c'est là.
Donc alors, je joue à la manette. Au clavier, ça doit pas être super pratique. Ouais, je joue à la manette. Elle est pas mal. Allez, c'est parti. On va aller faire notre première vraie course. Ouais, il a une bonne prise en main, le jeu. Il est pas mal. Je crois que je vais me faire plaisir sur ce jeu. Par contre, la lumière du soleil est un peu trop bien faite. Alex, t'es où, fils? Tes morveux pensent que le pilote local s'est dégonflé. Relax, j'y serai. Premier accident, hein. Plutôt pas mal en plus l'accident. Allez, c'est parti. Oh, les voitures, quoi. Ah, elles avancent pas leur voiture. Oh. Ah si, un peu quand même. Non, je conduis un petit peu à l'arrache là. Alors là, je parle pas beaucoup en fait, c'est parce que je suis assez concentré sur la route, du coup. Voilà, pour éviter ce genre de truc.
pensais qu'ils allaient nous suivre. L'autre il m'a défoncé la voiture. Très bien, donc regardons un petit peu ça. Ouais, les scores. Ouais. Très bien. Donc, j'espère qu'on va avoir le droit de choisir notre voiture. Parce qu'on a conduit déjà deux voitures et on les a pas choisies. Mais je pense qu'on va les choisir après. Salut, Frangin. Tu me déposes ? Pas de soucis. Est-ce que tout va bien ? Ouais. Allons-y. Il a l'air d'avoir quelque chose qui va pas quand même, hein. Pense à l'ambassadeur Bridge. T'as encore chatouillé les flics ce soir. C'est clair. Et je les ai largués. C'était cool. Pourquoi il faut toujours que t'ailles chercher des emmerdes ? Les jours de compète, tu fais profil bas. Parce que les poulets peuvent nous flinguer la course. Tu sais que c'est à cause de ces conneries que t'as pas eu ton tatouage de Fafnir. Arrête, t'étonnes. Y'a pas meilleur pilote que moi dans toute la région. C'est pas ce que je veux dire, Alex. J'ai fondé les Fafnir. C'est moi le VIP. Et mon propre frangin violent les règles du club. Du coup, j'ai l'air de quoi ? Pas étonnant que j'ai des gars qui commencent à se barrer. Alors on fait quoi ? Il doit avoir un des quatre que je connais pas. Un certain Shiv. Une fric a disparu et je veux lui poser quelques questions à ce sujet. Alors pourquoi tu m'as choisi moi plutôt qu'un des 5-10 ? Tu fais le con mais tu sais conduire. Si je dois remettre Shiv à sa place, il me faut le meilleur pilote pour l'humilier sur la route. Et je voulais que tu me montres que tu prends ça au sérieux. Bah voilà, on va se quitter après cette cinématique et on se retrouvera donc prochainement dans une nouvelle vidéo, donc sûrement sur The Crew, parce que c'est un jeu qui me plaît pas mal là pour le moment. Allez, bah, je vous dis à la prochaine tout de suite et je coupe après la vidéo. Ciao. C'est lui. Bouge pas. Les mains en l'air, vite! Mon frère a besoin d'aide! Mais qu'est-ce que vous foutez, bordel? Aidez-le! Il va mourir!
Il y a une arme. C'est pas à moi. Celui-là est cané. Non!